bien le bonjour et le bonsoir, c'est Traclass et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Hogwarts Legacy. Et donc dans l'épisode dernier, on avait enfin rendu nos trois cours, ce qui fait qu'on a débloqué des nouveaux sorts. Donc le Diffundo, le Flippendo et le Glacius. Voilà, donc on s'est mis bien niveau sort. On avait fait ça à l'épisode dernier, on avait enfin fait notre livraison de notre quête secondaire. Et aujourd'hui, eh ben, je ne sais pas ce qu'on va faire parce que je n'ai pas regardé au préalable cette fois. Visiblement, on est trop bas niveau. Et de toute manière, je me semble que j'avais dit qu'on allait continuer un peu la quête principale pour aujourd'hui. Donc on va rejoindre le professeur Fig devant la tour. Ah oui, c'est vrai! Et je pense que ça va nous prendre un peu tout l'épisode parce que il me semble que il va falloir qu'on explore un peu, il va falloir qu'on aille un peu plus loin dans de Préolard. Voilà, en plus il y a une quête secondaire juste là. Ah bah c'est la quête. Bah, peut-être qu'on laissera au passage, je sais pas. Donc il va falloir que je traverse la forêt interdite pour aller jusqu'à Parvers ici. Très bien, bon bah encore un petit peu d'exploration et tout pour aujourd'hui. Bah ça nous fera du bien. J'ai quand même envie de me téléporter juste là pour traverser la forêt interdite. Parce que je n'ai pas tout fouillé dans la forêt interdite, donc on va prendre un petit peu le temps de voir un peu les choses qui nous entourent de ce monde merveilleux de Poudlard. Et puis de Poudlard, de Hogwarts Legacy, pardon. Et puis voilà, en direction la tour pour rejoindre le professeur Fig. Hop, on va récupérer les champignons vénéneux sauteurs. Je ne sais même pas si je suis bien au niveau de... De toute façon, ça, j'utilise pas des masses. Même si c'est très puissant, hein, ça a l'air très très puissant tout ça. Mais peut-être que j'aurais dû lancer un peu des choses à produire dans ma salle sur demande. Mais bon, tant pis, nous on y va comme ça, les pieds en éventail, j'ai envie de dire. Et on verra bien. Ok, alors là, il y a un ennemi, on va lui botter les fesses. Un fangieux, comme d'habitude. Tiens, on va utiliser ça. Faire léviter un fangieux par sa langue. Je sais même pas comment on fait ça en vrai. Par sa langue. Ouais. Ok. Faut que j'utilise un peu les nouveaux sorts, voir leur efficacité en combat. On va regarder un peu tout ça aujourd'hui. Alors, on va suivre le trait pour le moment. De toute façon, par ici, on avait à peu près tout tout fait, il me semble. Direction par là-bas, là il y a de la, il y a des pierres de lune, hop, 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 je prends, parce que des pierres de lune, ça fait plaisir. Là-bas il y a des ennemis, on va aller leur casser la bouche. J'essaie de faire aussi les défis à chaque fois, parce que c'est vrai que j'y pense pas, infliger des dégâts à un ennemi gelé. Ouais. Ah si, t'es gelé là? Ok. Flippendo, ça fait quoi? Ah! Ça le met en l'air un petit peu. Ok, alors attends. Waouh! Diffundo, ça a l'air de casser des bouches. Hein. Tu fais du 3,90 avec. À mon avis, ça rigole pas, Diffundo. Devoir de Madame Kogawa. Ah! Mais oui, mais moi, on me donne des quêtes comme ça. Arresto Momentum. S'entraîner à voler près des flèches, s'entraîner à voler près de la tour de Pont-Désir. Bon, tant pis, nous on part sur la quête principale, on fera ça la prochaine fois pour Arresto Momentum. Vous êtes en mesure d'apprendre Arresto Momentum, le sortilège de ralentissement. Il permet d'arrêter des objets ou des personnes en plein vol. Effectuez d'abord quelques tâches, puis venez me voir. Rebellio. Ok, madame. Cette pierre a connu des jours meilleurs. J'ai déjà ramassé ces trucs là-bas, il me semble. En fait, j'avais vu un coffre tout à l'heure, mais je le vois plus, malheureusement. Un truc tout là-haut. Bon, continuons par là. Je sais que par là-bas, je n'ai pas tout fouillé. Waouh! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des mange-morts? Je crois que c'est des mange-morts. Oh, je vais savourer ça. Glacius! Attendez, parce que moi... Ah mince. Voilà, voilà. Ah mais l'autre il est déjà mort.
Oh, ok. Dire que j'ai personne avec qui partager ma victoire. Ouais, c'est vrai ça. Hein. Faut un peu le seum. Hein. Ça, c'est là où j'utilisais les sorts interdits, oui. Donc ici, on avait déjà fait. Comment je leur ai cassé la bouche là au mange-mort là? Oh lolo. Ok. On continue, on continue. Là-bas, il y a des araignées. On va leur casser la bouche. Mais c'est toi, qu'est-ce que tu mijotes? Tu m'as fait peur en plus. Et... blé, 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 bléché. Axio. Incendio. Blé, blé. Blé. Attendez, parce que là, il y a plein de. Plein de petites araignées et tout. Wouah, 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 wouah. Attends, elle est où? Elle est là. Attention, ma belle, parce que moi, je sais faire ça. Le combo Axio Incendio, moi, je le trouve vraiment, vraiment très, très fort. Après, c'est vrai qu'il est un peu boosté par mon stuff, hein, il me semble. Hey. Tiens, la matriarche. Oh, ça l'a même pas one-shot. Ok. Ok, ça l'a pas one-shot. Atteindre un ennemi avec une explosion d'araignée. J'ai pas compris. D'ailleurs, je n'ai pas répulso là du coup. Ah ah. J'ai l'impression qu'il va me falloir quand même répulso dans mes palettes de sorts. Et là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce que j'ai Confringo. Pas pratique tout ça. Ça, en vrai, j'utilise très rarement. Est-ce que ça vaut le coup de faire une palette pour ça? Je ne pense pas. Hein. Je pense pas, je pense pas. Pour le moment, on va mettre... j'ai bien envie de mettre Repulso ici. Et Flipendo ici. Parce que Flipendo, je pense l'utiliser moins souvent que Axio et Repulso. Pour l'instant, en tout cas, on va faire ça comme ça. On verra plus tard. Mais utiliser une palette pour les sorts de la salle sur demande, ça m'a l'air un peu nul de faire ça. Parce que bah, on utilise une palette où je pourrais mettre des sorts offensifs, quoi. Donc, Revelio. Attendez, on va leur casser la bouche à eux. Bonjour mesdames et mesdames. Qu'est-ce que c'était? Ce n'est que moi, Expermialmus. Protego, stupéfix dans ta bouche. Blé, 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 chier. Ok, il est où l'autre? Hop là, comme ça toi si t'as la marque, comme ça bam, je vous fais des dégâts tous les deux moi. Tous les deux moi. Axio, Incendio, tous les deux. Brèche, 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 brèche. Ok, et maintenant. Et maintenant. Ah, je pensais que ça allait le tuer en le poussant dans les pierres, mais pas du tout. Bon, ils m'ont quand même fait du dégât parce que je n'ai pas esquivé. Ah, trancher un ennemi gelé. Ah, faut que je regarde les défis à chaque fois. Hein. J'oublie à chaque fois et du coup, je fais des bêtises. J'ai envie d'aller de partout. J'ai envie d'aller à droite, à gauche, devant, derrière. Ce jeu me fait tourner la tête, c'est incroyablement incroyable. Et du coup, j'ai fait des épisodes à tourner en rond et à ne pas avancer. Ok, venez là les braconniers. Là, stupéfix. Ah, c'était pas le bon. C'est ça que je voulais. Voilà. Ah oui, c'est vrai que maintenant, stupéfix, il stun un peu plus longtemps. Hein, d'après ce que j'ai... il me semble que j'avais amélioré mes sorts pour ça. Ah oui, flûte. C'est pas vraiment ça que je voulais faire. Oh, mais Diffindo, ça a l'air de faire ultra mal, c'est incroyable. Diffindo, ça a l'air de faire ultra mal. C'est une honte. Oula, il est pas content. Visiblement, il n'est pas content. Révélio-t-on un peu? C'est quoi ça? Ah bah c'est l'ennemi que je viens de tuer. Hop, hop. Ok, de la thune, c'est... enfin, un seul... mince, comment ça s'appelle déjà? À chaque fois j'ai envie d'appeler ça des drachmes, mais c'est pas des drachmes, mais dans l'univers d'Harry Potter. Des galions, voilà, c'est ça. Là, il y a une grotte. Faisons la grotte.
Hop là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte? Bonjour mesdames et mesdames. Des chaudrons qui volent. Ok. Ok. On va tout allumer. Magie, magie! Ok. Un cuffy à gland. Bon. Il n'y a rien là-dedans. C'est tout ce qu'il y avait dans cette grotte? Très bien, très bien. Bon. Bah, rapide et efficace. Oula, j'ai cassé le pot en me faisant un TP là, comme ça, là. Une esquive TP de la moelle. Si, je peux le casser comme ça, ça. Non, parce que les petites qui me sautent dessus, c'est un peu pénible en vérité. Confringo, très bien. Defindo, c'est là. Ah, mais à chaque fois j'oublie. Prochain ennemi, c'est un objet destructible. Waouh, 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 waouh! Tendez, tendez, tendez. Je dois faire un truc comme ça là. Ah ah, j'ai réussi, j'ai réussi. Je suis trop fort en fait. Hein, j'ai pas utilisé de magie noire encore. Ah si, j'ai utilisé, mais que pendant un défi. Ouais. Pourquoi ça fait tulum tulum là chaque fois que j'arrive par là? Bon. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Encore ? Ça, c'est pas de la magie noire, c'est de la magie ancienne, mon ref. Et là, blichi, blich, blich, blichi. Les combats sont quand même vraiment ultra cool. Ouh, Glacius Defindo, ça fait du 731. C'est un bon combo, ceci. Je comprends pas pourquoi ça me fait un... À chaque fois, je vais par là, là. Regardez. C'est buggé ou quoi? Buggé ou il y a vraiment quelque chose, là, je... Confringo. Bon. Ok, ça me... Ah non, je pouvais passer à travers cette toile-là. Très bien. Attendez, regardons un peu la map. Regardons la map. Ah, j'ai pas acheté une mauve douce. Est-ce que j'irai pas acheter un petit peu de mauve douce? En vrai, on va faire ça. On va se rendre à... Est-ce que j'ai besoin de mauve douce? Parce que c'est dommage de passer à côté des épreuves of the Merlin. Parce que ça augmente notre inventaire et vu que je loot tout le temps, j'ai quand même besoin de pas mal d'espace dans mon inventaire. Donc on va se rendre à Priolar pour acheter de la mauve douce. J'aurais pu aussi en planter, mais s'il y a des chrysopes, prends, ça peut toujours servir. Alors, Priolar, c'est juste là, je peux pas voler directement à Priolar, donc on va se poser... Un endroit où on nous autorise à nous poser. Genre par vers ici. Tac. Voilà. J'ai parfois l'impression que tout... Revelio. Et je sais toujours pas ouvrir ces coffres-là. Faut faire quoi? Repulso. Confringo. Flipendo. Il me regarde bêtement là avec son œil là. Attendez, niveau sort. Le seul truc qui me manque, c'est Halo Mora. Ah, peut-être la transformation. Arresto Momentum. Bombarda. Descendo. Je ne sais pas comment on va ouvrir ces coffres-là, mais... Ouais, ça me paraît bizarre au niveau des sorts, etc. Alors, nous sommes à Priolar. De la mauve douce. Mauve douce, mauve douce, mauve douce. Bonjour, je suis à vous dans un instant.
Feuilles de figuier, dictame, tige de cimbre. Feuilles de mauve douce. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Si Donc je je vais en peux vous acheter aider, deux. n'hésitez pas à me faire signe. Tant que je suis là, ça serait bête de, hop, Vous avez de ne vraiment pas le sens vendre des affaires. des objets dont je me sers pas. Ah, j'ai pas mal de trucs. Ah, je crois que je vais faire un tour. J'ai entendu dire que Clémentine vous avait demandé de suivre des papillons dans la forêt. Elle ne manque pas de culot, celle-là. Je vais faire un tour aussi On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons. à ma salle, si vous demandez. Manite t'es chiant en dents, il n'y a pas de mauve douce là-bas par hasard. Ouais, bon, bah, du coup, on retourne en arrière. Hein. Excusez-moi pour ça, mais voilà, on va quand même se préparer un peu mieux. On va retourner à la salle sur demande parce que j'ai du stuff à identifier. Voilà, la petite salle sur demande que j'ai pimpée là. Ok. Ok. Alors, attendez. Là, qu'est-ce que j'ai mis là? Un breuvage. Ok. Ah non, j'ai pas de fruits de figuier. On va mettre une potion Ingolveld. Potion Ingolveld, ça fait toujours plaisir. Et ça, c'est Mandragore. Qu'est-ce que je peux planter d'autre à part une Mandragore? Dame, bah on peut planter de la mauve douce. Je pense que c'est pas bête d'en planter étant donné que j'en manque. On va planter de la mauve douce, voilà. Je n'ai rien à identifier. Là, j'ai tout identifié. On peut aller hop dans mon équipement. Regardez un peu ce qu'on a. Alors, couvre-chef, ça c'est nul, ça c'est nul. Très bien. Ensemble. Ça, c'est nul. Très bien. Cap et tenue. Ça, c'est nul. Ok. Ah, ça vaut le coup de tout identifier, hein, vraiment. Hein. Ça, c'est nul. Ok. Et ça. Ça, c'est mieux. Alors, dégâts infligés par les chiens noirs réduits. Protection lupus 1. Et c'est nul à chier, ça. Et là, dégâts accrus avec Confringo. Ouais. Est-ce que je sacrifie 2 points pour avoir des dégâts accrus avec Confringo ou pas? Nouvel emplacement d'attribut, mais pour l'instant j'ai pas ce délire là de. Faut vraiment que j'avance dans le jeu, que j'arrête de trop traîner parce que il y a des mécaniques que je n'ai pas encore et c'est plutôt dommage, hein. On va pas se le cacher. Ok. Surtout que là j'accumule du stuff légendaire et en fait je vais finir par plus avoir de place tellement que j'ai de stuff légendaire, hein. Donc ça serait quand même vraiment dommage. Donc hop, on va se re-TP là-bas. Vendre le stuff que j'ai pas besoin. Et puis on va continuer un peu notre épopée. D'ailleurs, ça a dû me changer mes gants là. Ouais. Attendez, parce que le style. Voilà. Hop. Qu'est-ce que je vais mettre? Moi j'aime bien les gants classiques comme ça. Avec, voilà, ça ira très bien. Moi je fais des choix rapides aujourd'hui, hein. Qu'est-ce que je suis où là? Attendez, je suis paumé. Où est l'entrée? J'ai juste besoin de vendre là. Je veux n'importe quel vendeur, ça m'ira très bien. Bienvenue. Toi, allez, viens. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. Bah oui, tout à fait. Je suis plutôt d'accord avec ça en règle générale. Hein. Merci. Potion d'invisibilité. On a acheté une des fois qu'on en a besoin. Putain, faut que j'arrête d'acheter n'importe quoi aussi. Hein. J'achète tout et n'importe quoi et j'ai pu voir qu'il y a des choses qui coûtent extrêmement cher. Ouais, mais. J'avais pas regardé les têtes. J'espère vous. Il me semblait avoir regardé, mais j'ai peut-être regardé trop vite encore. Non, j'avais pas regardé. Dégâts accrus avec Confringo. Très bien. Et eh bah ben, ça change un peu les la tête comme ça là, les masques comme ça. Ça change un peu des lunettes qu'on a pu avoir, mais ça ne m'intéresse pas. C'est quoi ça? Masque de dueliste. Oh, attendez, parce que j'ai débloqué des nouveaux trucs, mais
Magie noire, nané, nana. J'aime bien le truc de dueliste là. J'ai que ça comme tenue de dueliste. Mage noir. Est-ce qu'on va... Allez, c'est parti. J'ai décidé, aujourd'hui, on s'habillera en mage noir, parce qu'à chaque... Au début, j'étais là en mode, oui, on va pas y mettre T-suite et tout, on n'est pas encore un mage noir. Et bah hop, c'est aujourd'hui. J'aime pas l'écharpe. Et je trouve que... Voilà, avec ça, ça rend mieux. On a quoi comme gants? Gants de mage noir. Donc, très bien. Ça comme ça, ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? Ça c'était moche. Et ça en mage noir c'était ça. Je préfère ça. Mais ça va pas forcément ultra bien avec. Mais tant pis. Allez, ça changera. On part sur ça. Que puis-je pour vous aujourd'hui? Ça fait un peu plus méchant. Il paraît que vous avez trouvé un trésor dans la forêt. Personnellement, trésor, on s'en fout. On s'en fout, frère, on s'en fout. Nous, on commence à être badass, là. On commence à être badass et on commence à être vénère. Parce que on lance des sorts, des blé-blé-blé, et on casse des bouches comme ça. Et nous, on va être le meilleur mange-mort de tous les temps. Voilà. Maintenant que nous sommes prêts, on va pouvoir... Hop, carte de Papoudlard du monde. On va pouvoir se remettre à peu près là où on était tout à l'heure. Et continuer vers notre quête, notre prochaine quête. J'ai envie quand même de traverser un peu la forêt interdite à pied. Pour débloquer un peu tout. Tombeau de Choukas. Bah ouais, mais... Attendez... Ça me dit juste une grotte mystérieuse, c'est tout ce que ça me dit. Là-bas, il y a une grotte que j'ai pas faite. Là, il y a une épreuve of the Merlin. On va aller faire l'épreuve de of the Merlin. Ok, donc là, on est devant le tombeau des Choukas. Hop là. Attendez, je vais récupérer un peu ça, là. Ok. On va se diriger vers l'épreuve of the Merlin. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai l'impression qu'il faut que je fasse quelque chose... comme ça. Est-ce qu'elle s'éteint? Non. Elle ne s'éteint pas. Donc je dois juste trouver tous les trucs de feu comme ça et les allumer. Très bien. Il y a du temps. Fiche de moi. Ok, donc un. Je les ai tous là, je les ai tous. Donc c'est très bien, c'est très simple. Il va falloir que je fasse. J'ai l'impression. Celui-là en premier. Ouah. Ok, l'autre il a dû. Alors attendez, 1, 2, là ensuite, ah, d'ici je devrais avoir accès, non, ça bug, ça marche pas. Merlin lui-même aurait okay. De quoi être fier. Bon, plutôt easy finalement. Voilà, petite épreuve de Merlin de fait, ça va nous mettre bien. Et on continue. Revelio. On a du flow hein, quand même avec cette cape là. Hein. Cette cape de méchant là. Tireuse épineuse, venez infliger des dégâts à un ennemi gelé. Facile. Voilà. Je sais pas si c'est les araignées qui sont vraiment très faiblardes ou si c'est mon sort de Diffindo qui est vraiment très fort. Et faire du 800 de dégâts là, ça m'a l'air quand même pas mal incroyable. Oh, il y a un truc de papillon là-bas. Attendez, on va faire les papillons. Suivez les papillons. Let's go, allez.
Dites-moi où il y a un trésor là. Ouais, mais. Attendez les braconniers, parce que en fait, moi je suis des papillons. J'ai pas le temps de me battre parce que il y a des papillons. Regardez, c'est joli. Il y a du monde là-bas. On suivra les papillons plus tard. J'ai envie de me battre. Venez vous battre. Blichy, 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 blichy. Bam, 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 bam. Je l'ai un braconnier pendant qu'il charge une attaque. Très bien. Vas-y, vas-y, charge ton attaque là. Charge-la là. Blachia. Ça va marcher. Un braconnier rabatteur. D'accord, c'était pas un rabatteur. Ça, c'est un pisteur. Ça fait tout lululum encore. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est les papillons. Je croyais qu'il était mort, lui, mais pas du tout. Waouh, 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 stop it, make it down. Non, mais... Ah, c'est pas ça. Ah, c'est flèche du bas. Allez, tiens, prends ça. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que je suis en train de vous casser la bouche. Tu es un ennemi gelé. Mais... Mais qui me parle? Oh, regardez, il y a des machins là, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a les comme eux là. Vous êtes gentils au moins. Hein. Normalement, vous êtes gentils vous. Vous avez aidé Harry Potter, alors pourquoi vous m'aiderez pas moi? Attendez, on va aller leur casser la bouche là. Un chien. Waouh, 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 waouh. Attends. Voilà. Ok. Ça c'est fait. Ah, là-bas, il y a plein d'ennemis. Venez, les ennemis. C'est donc toi, la vermine. Ah, j'ai protégoté pour rien. Ah, mais non, mais je voulais pas faire un Leviosa, je voulais faire une esquive. Eh oui, j'ai brûlé ta tenue. Oula, mais ça... Ah d'accord, c'est un animagus, c'est pour ça que le loup est plus fort. Très bien. Le pulso. Ok. Ok, bon. Confringo du mar de la muerte. Attendez, faut que je joue mieux, parce que là... Là, je me sens fébrile. Là, je vous le dis, je commence à me sentir un peu fébrile. Là, l'animagus ne rigole pas du tout non plus. Faut que je fasse un peu des petits combos comme ça, là. Ok. Ouh. Eh bah, ils étaient bien plus tendus, hein. Commence à tomber sur des vrais ennemis et là ça c'est plutôt cool. Ça je peux pas y ouvrir malheureusement. Attendez, là j'ai eu un truc pour améliorer là, mais comment je fais? Je pense que ça doit se faire à la salle sur demande, mais je n'ai pas encore la chose, hein, je me semble pas. Hein. Où j'avance dans le jeu. Qu'est-ce qu'il y a ici, là? Waouh, 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 je suis perdu, là, je ne sais plus. Ça y est, je sais plus où donner de la tête, je sais plus... Où je dois aller, par où je dois aller. Tout à l'heure, là, il y avait du loot et tout, c'était où? C'était là? C'était derrière, d'accord, très bien. On va retourner un petit peu en arrière, alors. Oh, mais attendez, il y a un troll là-bas! Mais what? Mais c'est trop bien, la forêt interdite, j'ai envie de passer ma vie dans la forêt interdite. Attendez, attendez, venez, venez, moi, je veux me battre, moi. Venez! Oh, comment je l'ai éclaté, lui!
Le troll, il est en train de tout casser. Mais ce jeu est vraiment incroyable, hein. Troll des forêts niveau 25, bah, très bien. Oh, j'ai pas pu esquiver. Attends, mais oui, mais tu vois pas qu'il y a un troll? Viens, on s'allie 2 secondes, donc tu le troll. Et après, on se bat tous les deux. Quelle est la raison pour laquelle... J'ai pas fait les exploits là du coup. Atteindre un troll au visage avec son propre gourdin. J'ai trouvé une crotte de nez. Ah bah je suis très content d'avoir trouvé une crotte de nez. Ah bah il y a plein d'araignées. Revelio. Waouh, ok. Protego, stupéfix. Ok, je l'ai stupéfixé à travers le... À travers le mur, tout va bien. Ok. Trancher un braconnier dualiste pendant qu'il lance Reducto. Il n'y a plus de braconnier là. Là, il y a des petites araignées. Là-bas, c'est des braconniers. Confringo. Non, ici, c'est des araignées encore. Ah, bah, c'est enlevé l'exploit là. Bon, ok. On va retourner en arrière, chercher le loot que j'ai pas récupéré. Ah, désarmer un ennemi. J'ai pas Expelliarmus. Si, j'ai Expelliarmus. Voilà. Eh hey, hey. Flipendo. Pourquoi il fuit lui? Ah, il allait chercher sa baguette magique. C'est trop fort en Defindo, hein, vraiment. Hein. Ça fait masse dégâts, hein, j'ai l'impression. Hein. J'ai déjà vaincu 38 mages noirs, hein, quand même. Les seront bien plus en sécurité à présent. On casse vraiment des bouches. Hein. Bon, bah, au moins dans cet épisode, certes on traîne, mais au moins il y a de l'action. Ça, vous ne pourrez pas dire le contraire. Hein. Il y a de l'action. On avance un petit peu dans la découverte. Je vais m'y rendre en balai magique. C'est quand même bien pour mettre notre balai magique un peu de partout. Hop, là, le petit coffre. Que j'ai plein de cartes comme ça d'amélioration, mais je ne peux pas les équiper, donc je suis perplexe. À mon avis, il faut que je chope le truc pour améliorer assez rapidement. Ah, bonjour les petits chiens. Action. Incendio. Et en plus ici les ennemis sont de mon niveau, hein, donc voilà, comme ça vous avez tous les deux la marque. Je vous fais des dégâts à tous les deux, l'autre est mort. Voilà, Repulso Defindo, ça m'a l'air d'être aussi un bon petit combo. Je pense que Flipendo Defindo, je vais y arriver. Ça doit être un meilleur combo parce que Repulso s'envoie en arrière. Donc Repulso, je vois pas. Je vois pas trop comment je pourrais faire un combo avec ça. Ou alors faudrait que je fasse Axio, Defindo, Repulso. Confringo. Oh, ça ferait un beau combo ça. Dans ma tête, là, je suis en train de prévoir un peu des combos. Mais j'ai un peu du mal encore durant les combats parce que comme je joue pas au jeu tous les jours comme une personne lambda, vu que bah, je dois tourner et tout, donc je suis obligé de me contenir un peu du jeu au jeu, bah, ça fait qu'à chaque fois que je relance le jeu, bah, il me faut un petit temps d'adaptation pour me remettre un peu les choses en main, quoi.
perds l'habitude à chaque fois et c'est pas très pas très pratique quoi. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi ça me dit qu'il y a ça? Normalement c'est le truc des animaux là. Repère de veau de lune. Des veaux de lune occupent ce repère. Bah, je n'ai vu aucune veau de lune. Hein. Repère de troll. Non. Let's go. Let's go to the repair of the troll. Je veux casser la bouche à des trolls, moi. Je pense que ça va être purement un épisode d'exploration. Parce que je vois qu'on est déjà à une petite demi-heure. Donc je pense que le temps que je traverse la forêt interdite et que je traîne à gauche à droite, on va pas arriver jusqu'à la quête. Mais bon, tant pis. On va traîner. Et on va... comme ça, on fera la quête dans le prochain épisode, hein, du coup. Oh, on va s'infiltrer dans le repère de trolls. Au moins, on traîne. Mais il se passe des choses. C'est pas seulement juste on avance et tout. Oh, c'est niveau 25, le troll des forêts, là. Très bien. Très bien, très bien. Hop. Ok, bien là, le troll. Normalement, ça va faire du dégât, ça. Atteint un troll avec son propre rocher. Son propre rocher. Wow! Calm down! Ah! Comment je suis censé l'atteindre avec son propre rocher? Il faut répulso. Mais il est ultra rapide, le troll! Attendez, je vais le verrouiller. Ce sera plus facile pour le regarder. Hop, on esquive. Je ne peux pas esquiver deux fois d'affilée avec une esquive de turfu là. Je pense qu'il faut que je fasse. Ah non, c'est pas ça qu'il me faut. Non, je me suis trompé, j'ai trouvé comment faut faire. Ok, c'est bon, ça c'est fait. Malheureusement, les choses comme ça ne marchent pas contre lui. Il faut que j'utilise purement des sorts offensifs. Ok. Aïe, 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 aïe. Vas-y, envoie ton rocher là. Tu veux pas? Bah tiens, bléchier! Ça au moins c'était des ennemis ça. Enfin un ennemi du coup. Mais ça au moins là je me suis vraiment éclaté. Lui casser la bouche. C'était un pur bonheur. Ok. On vient de casser encore la bouche à un troll. Mais cette fois-ci de manière un peu plus stylée. Bon il m'a fait quand même pas mal de dégâts. Parce que j'utilisais au moins 3-4 potions là. Il m'a pas mis bien le ref. Oh, il a bien mangé hein, visiblement. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Ok, bon, on va continuer notre épopée. Par contre, la boussole, elle est vraiment cassée. Hein. Un coup, elle nous indique à gauche, un coup à droite, un coup... elle sait plus quoi faire. Elle est perdue. Oh, j'ai oublié de faire le truc des papillons. Allez, on va suivre les papillons. Après tout, on est aussi là un peu pour visiter du coup la forêt interdite, hein, vu qu'on n'avait pas tout fait. Donc on va retourner un peu en arrière, faire le truc des papillons, parce que du coup je n'ai pas fait le truc des papillons. Et le truc c'est que si je ne le fais pas, je vais y oublier, et après je vais être mal dans ma tête. Donc pour que je sois bien dans ma tête et que je dorme correctement ce soir, il faut que je fasse le truc des papillons. Purement et simplement parce que j'avais commencé à le faire et que je me suis arrêté pour me battre. Et que du coup, bah, je ne serais pas satisfait si je ne l'ai pas fait, quoi. Voilà, c'est des petits tocs que j'ai, donc... voilà, faut faire avec, quoi. C'est ça qui est ça, votre trésor, là? Non, c'est pas celui-là? Je prends. Oh, c'est mignon par ici.
Avoir un truc mignon au milieu de la forêt interdite, c'est rare. Hein. On va pas se le cacher. Donc, qui chantante, c'est quoi ces trucs là? Mort vivant, on a déjà vu. J'ai pas eu le temps de lire. Rebellion. Ok, petite table de jeu. En plus, c'est des trucs décoratifs, j'ai l'impression, quand on suit les papillons. Vu que j'aime bien un peu tout ce qui est décoration et tout, pimpage et tout. C'est pas mal d'avoir trouvé ça. Je suis plutôt content. Tu n'as fait aucun effort, n'est-ce pas? Tu dois garder cette feuille de mandragore dans ta bouche pendant un mois d'une pleine lune à la suivante. Si tu l'avales, tu dois tout recommencer si tu veux que ça fonctionne. Tu dois aussi boire la potion pendant un orage et tu dois réciter l'incantation quotidienne. C'est Amato Animo Animato Animagus, au cas où tu l'aurais déjà oublié. Merlin sait que tu risques d'en avoir besoin, bien à toi. Tasmina, n'oublie pas le coton pour tes oreilles. Oh, de la mandragore! J'ai trouvé directement de la mandragore. Ça, c'est pas mal, ça. Ok, donc j'ai 5 mandragores, du coup. Il y a encore un zombie là-dedans? Encore un zombie juste là-bas. Allons lui casser la bouche. Brichy! Brich, brich, brich! Brichy! Ça fait longtemps que j'avais pas sorti un brichy. Voilà. Continuons. Bah, c'est un truc d'animaux. Pour l'instant, les animaux, je ne peux rien faire. Je n'ai pas encore débloqué les animaux, malheureusement. Donc, on va juste, hop, nous diriger par vers là-bas. Rebellion. Qu'est-ce que c'est que ça? Beware spider. Ok. Attention, il y a des araignées. Ouais, je ne peux pas y aller. Confringo. Revelio. Ne peut pas y aller. Bon. J'imagine que c'est pour une future quête. On va juste continuer notre chemin. J'ai envie d'aller à droite, hein. C'est incroyable hein, ça. Hein. Et une petite maison. Ah bah là c'est Campolar en haut. Repère de troll, très bien, mais ça on y a déjà cassé la bouche. On va continuer, hein, on va continuer. C'est pas grave si on n'a pas tout fouillé dans la forêt interdite. De toute façon on y reviendra très certainement. On va continuer un petit peu vers notre vrai chemin, notre vrai objectif. Rebellion. Réveillote un peu les choses aussi. Sans su, j'en ai déjà pas mal, hein. Réveillio. Bah. Wingardium Leviosa. Action. Il est cassé, ce truc. Il y a pas mal de choses... C'est un petit peu buggé hein, dans le jeu, malheureusement, et c'est ça très dommage, hein, ça casse le rythme du jeu et l'immersion. C'est dommage. Après, hein, on va pas trop, pas non plus trop grave, hein, parce qu'il y a quand même un gros travail de réaliser, je trouve, dans ce jeu. Et je pense que les gens ne s'en rendent pas vraiment compte. Alors certes, comparé à d'autres jeux, c'est pas non plus incroyable, mais je trouve quand même qu'il y a pas mal de choses. Hein. Et moi, je suis conquis. Je suis conquis par ce jeu. Là, c'est notre quête secondaire hein, qui est juste ici. Rencontre avec la fugitive. Donc, on va pas la faire tout de suite parce qu'on n'a pas tout à fait le niveau. Et puis, de toute manière, je n'ai pas envie. C'est une bonne raison pour laquelle on ne l'offre pas tout de suite. La raison est que je n'ai pas envie. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Wingardium Leviosa.
Oh, ça brille en bleu. Action. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Lumos. Réparo. Ouais. On va juste avancer, je n'ai pas compris, mon cerveau a bugué encore à cause d'eux là. Mais bon, continuons simplement notre chemin. Comment je fais déjà pour... Voilà. C'est ça là qui m'indique la route. Attendez, mais il y a plein d'ennemis là-bas. Ouais, mais si je descends, je... Ah bah si, j'ai un balai magique. Allez, moi je suis un malade, j'y vais. Ok, venez vous battre. Waouh, waouh. Vous savez quoi? Hop, hop, hop. Bléché. Ah, attendez, attendez. Attendez. Viens là, toi. Ah, je crois que je suis empoisonné. Qu'est-ce que je dois faire quand... Oula, j'ai peut-être fait un peu trop le fou en venant ici, là. Pourquoi je prends des dégâts comme ça, là? Je prends des tics de dégâts. C'est la zone qui me fait mal comme ça. Oh, il y a plein d'air. Ah, waouh! Je crois que je me suis mis dans un bourbier. Allez, hop, toi, prends ça. Non, c'était bien l'autre araignée qui m'avait empoisonné, hein, j'ai l'impression. Là, je suis dans un repère d'araignée. Laissez tomber le bout d'aile. Ok. Ok. J'ai une araignée enflammée pour la faire exploser. Ouh, ok. Et bah ouais. Confringo. Ok. Là, il y a plein de petites araignées. Elle est trop rapide. C'est bon, je l'ai eu. Viens là, viens là, viens là, viens là. Il veut pas, hein, il veut pas la viser. Hein. Elle va me sauter dessus encore. Hein. Wow, ça m'a l'air d'être un labyrinthe ici là. Je sais pas où est-ce que je me suis fourré encore, mais ça a l'air d'être un sacré pétrin. Hein. Je pense qu'on va juste sortir de là. Hein. Voilà. On viendra par ici une prochaine fois. Château. Il devait être très imposant. Oui, un autre ennemi avec les pulso. Confringo. Ah. Attends, viens là. Ah bah non, bah là. Elle a brûlé. Bien. Oh, attendez, parce que où sont les autres araignées là? Incendio. Action. Non, c'est pas action que je voulais. Ah bah mince, bon bah tant pis. J'ai loupé le défi. J'ai loupé le défi, tant pis. C'est ça qui disait château, je sais pas quoi là. Incendio. Bon, attention, parce que là j'ai pu voir qu'il y avait pas mal d'araignées. Action. Wingardium Leviosa. Ok. Revelio. Ah bah il y a un autre coffre. Alors, on pourrait croire que c'est compliqué d'accès, mais en fait non, vu qu'on peut avoir un balai magique. Ah. Ouais, mais... Voilà. Ok. Aïe. Mais aïe. Non mais... C'est quoi ce manque de respect là? C'est quoi ces araignées mal élevées? Non mais, elle me saute dessus comme ça là. What? C'est quoi ça?
Revelio. Des trucs de magie ancienne là. Je découvre des trucs là, je... C'était pas si difficile. Découvrez les sources de magie ancienne et les amener pour améliorer les capacités de votre jauge de magie ancienne. Oh. Eh bah fallait le savoir. Moi j'étais pas au courant. On va débloquer le TP. Voilà. Entrée du marais du North. Ok. Salut les braconniers. Voilà, comme ça j'ai tué l'animagus, parce que l'animagus c'est vraiment celui qui nous pose le plus de problèmes en général. Blish, bliché. Oh, je kiffe ce finishim là. J'ai abattu plus de... Désormais un braconnier bourru pendant que je prépare son attaque explosif. Expelliarmus. Expelliarmus, tu as peur de... Là, tu vas... Confringo. Je n'ai presque rien. J'ai voulu expelliarmuser. Wow. Il me lance des tornades de feu sur la bouche. C'est des malades. Ah mince, je suis nul au jeu. Mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Bah je pensais que ça allait l'emmener vers moi, mais non, il veut pas, hein. Viens là. Ok. Créatures des environs dormiront un peu. Revelio. Bah les ennemis d'ici ne rigolent beaucoup moins que les ennemis auxquels on a eu affaire jusqu'à maintenant. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Et non pas clarinette. Ah, je suis trop marrant. Ok. Maintenant que la blague pourrie est passée, on va pouvoir continuer. Je pète un câble tout seul. Moi. Je me fume moi-même des fois. C'est bien de se faire rire tout seul. C'est bon pour le moral. Ok, donc ma quête est par là-bas à gauche. Je crois qu'ici il y a une épreuve of the Merlin. Et là on arrive dans les marais du Nord du coup. Plus j'avance dans le jeu et plus il devient intéressant. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Et pourtant je n'ai découvert que le tiers de la map. Hein, Oh, on va passer tellement de temps à tout visiter, moi je vous le dis. Mais en même temps, c'est un peu le jeu hein, qui veut ça. Qui voit le monde en noir et blanc, voilà. Voilà. Je après la mort. Action. Sendio. Non. Legioso. Confringo. Legioso. Confringo. Oh, je l'avais pu le sauter jusqu'en bas. Ah, il est pas mort. Waouh. Il s'est TP sur moi. Hop là, Mortibus. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Revelio. Des pierres. Des pierres pour l'épreuve of the Merlin. Quand j'en croise une. Pas tellement ce que je vais devoir faire, mais on va tenter. On va essayer de comprendre. Ok, des petits cailloux. J'ai l'impression que il faut que je casse les petits cailloux. Ah, peut-être que c'était pas ça du tout. Je pensais... Ouais, si, c'est ça, c'est une épreuve de saut. Très bien. Donc faut bien que faut tout ce que je les fasse sans tomber. Waouh, pourquoi il se casse la gueule tout seul, le ref? Juste faire comme ça. Un saut classique, ça suffit. Parce que si je sprint, ça se passe mal, en fait.
Ok. 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 Donc faut juste pas essayer de sprinter, ça se passe plutôt bien en fait. Ok, Pub of the Merlin réussi. Ça c'est fine. Ok. Bon, on peut continuer. Simplement. Hop là, indique-moi la route, toi. On va se rendre. Oh, il s'indique quoi le panneau là-bas? Réveillio. Il y a des centaures encore là-bas. Là-bas, il y a un coffre. C'est un gentil. C'est rare qu'on croise des gentils. Alors, qu'est-ce que c'est marqué? Pete Uppenford. Bidlin Forest. Ok. Bah désolé hein, le petit nifleur, mais j'ai pas de... Un nifleur? Oui, ça a l'air d'être un nifleur. Et je n'ai pas d'Alohomora, du coup tu vas rester coincé là-dedans. Réveillio. Bon. S'en fiche du coffre que j'ai vu là-bas. On va juste continuer. Oh, ou pas, parce qu'il y a un troll et j'aime bien me battre contre les trolls. Allez, viens là, le troll. Tiens, le troll des rivières. Encore un nouveau troll. Je descends en balai magique, ça m'évite de me faire mal. Est-ce que je peux la voir? C'est pas ça que je voulais faire. Attends, un troll au visage avec un sommet ennemi avec une mandragore. Je peux l'assommer avec une mandragore, lui? Ça marche. Par contre, atteindre un ennemi avec son propre gourdin. Ah! Peut-être que je sais comment faut faire. Non, pas du tout. Expelliarmus, pas du tout. Ça non plus, toujours pas. Est-ce qu'avec un répulso? Non. Un Wingardium Leviosa? Comme dans le film? Non. Comment je peux l'atteindre avec son propre gourdin? C'est pas avec Axio, avec un Flipendo? Je comprends pas. Si on peut me dire dans les commentaires, pour ceux qui savent peut-être comment je fais pour atteindre les trolls avec leur propre gourdin. Avec quel sort me permet de faire ça? Si je dois me protéger ou... Parce que là, je suis un peu paumé, je comprends pas, moi. Mais... Du coup, je vais arriver à ma quête. Je vais plus avoir de potions Wingleveld. Donc le meilleur moyen d'avoir un troll, c'est vraiment de faire ça, là. Ok, bon, bah j'ai trouvé le point faible des trolls. Ça, par contre, je ne comprends pas, hein, c'est... Ok, bon. Pour moi, c'était cool, on a cassé la bouche à un autre troll, mais je ne sais pas comment l'atteindre... L'atteindre avec son propre gourdin, je comprends pas. Bien, j'ai bien essayé des choses, mais... Incendio. Allez, t'as beaucoup trop de vie, tu me saoules, toi, allez, meurs dans notre souffrance. Voilà. Voilà. Odeur de la mort. Oh, encore un... Bah, meurs. Voilà. Tac. Tac, tac. Allez, on va faire la grotte. En espérant qu'elle soit pas... grande. En général, elles sont plutôt petites, les grottes.
Ah, là, il y a un truc bizarre qui va me permettre d'ouvrir ça, je présume. Ok. Il y a un troll tout là-bas. Et j'ai l'air d'être en combat contre lui. Bon. On va pas chercher à comprendre, le jeu est vachement buggé quand même, c'est dommage. Moi ça me coupe vraiment dans le... dans mon délire et c'est... bref. Revelio. Wingardium Leviosa. Ou bas. Qu'est-ce que je suis censé comprendre de cette énigme là? Pas d'indice, y a rien. Ou bas. Mais surtout que. Lumos. Wingardium Leviosa. Les autres, je ne peux rien faire. Est-ce que je peux faire quelque chose comme... Non, mais viens là. Mais... Sors-moi de ça de là, là. Comment on fait déjà pour le tourner? Ok. Ok, c'était ça. Bon. Tout ça pour une écharpe complètement nulle. Bah, je suis très content de m'être pris la tête pour une écharpe complètement nulle. Hein. Ça me met super bien cette histoire. On a le retour d'un troll là-bas. Il a repopé vachement vite le ref. Bon bah, tant qu'il faut y aller. Hein. Allez. Avec son propre rocher, avec un sommet qui demande la gore. Ok. Tego, propre rocher, ça c'est bon. Non, je suis nul au jeu. Aïe, ça pique. Et la mandragore, faut vraiment que je me mette en tête que la mandragore, elle a quand même une bonne distance d'utilisation. Voilà, maintenant qu'il a fait ça. Il va prendre ultra cher, donc c'est là où il faut lui mettre un petit peu la pâtée comme ça. Vas-y, lance ton rossé. Ton rossé. Zozozot. On a trouvé quand même la manière efficace de combattre les trolls, c'est bien ça. Ok. J'ai bien failli y passer. Très bien. Crotte de nez de troll, ça fait plaisir. J'ai utilisé tous mes consommables durant cette exploration là. J'ai vraiment fait n'importe nawak encore. Et du coup notre quête va être juste ici. Très bien. Et bah, c'est pas mal, on va se mettre devant et puis bah, on va se laisser là, je pense, pour cet épisode. Tac, prendre les petites pierres de lune. Rien d'autre, non, il y a rien de spécialement spécial par ici. Hop, on va se mettre au niveau du TP. Et je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Comme ça, l'épisode prochain, on pourra tout de suite enchaîner sur la quête principale, maintenant qu'on a bien traîné. Mais mine de rien, on a bien traîné, mais on a fait quand même pas mal de choses, là, dans la forêt interdite. On a découvert pas mal de choses, on a eu pas mal d'actions. Et je pense que cet épisode sera plutôt cool, voilà. En tout cas, moi, j'ai kiffé le faire. Et bah... Bonne transition, justement, s'il vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche, et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.